Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Alors, ce soir, on va attaquer, une nouvelle fois, un adaptateur pour Super Nintendo à base de petits composants ESP32, comme celui-là, comme la version miniature, comme ici, comme la version un petit peu plus mouse que j'avais fait pour la PS1, comme celui-ci. Voilà, il y a plein de versions. La dernière fois qu'on avait fait ça, donc c'était pour la PS1, on avait fait un premier prototype avec ce module, donc un peu gros, qui marchait super bien, mais pour un player. J'avais fait des essais avec une deuxième prise pour faire deux joueurs, ça n'a jamais fonctionné. Par contre, avec la version miniature, j'arrivais, donc avec celle-là, là, j'arrivais à avoir deux joueurs, mais il y avait une latence de fou. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc je pense que ça vient des différents modules qu'on peut utiliser. Donc ce soir, je vais utiliser une version pas très grosse, mais qui est quand même sur un PCB avec une prise USB, ce qui va me permettre de pouvoir charger le module à ma guise. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la conf qu'il y a dedans, puisqu'il y a déjà du coup un programme de chargé, ou alors on le recharge. Non, allez, on va le recharger. Ça mange pas de pain. Je vais prendre mon câble USB et puis on va lui recharger le firmware, comme ça on repart sur une base solide. Donc là, j'ai pas à ressouder comme ça a pu être le cas la dernière fois toute la partie. Adaptateur USB, puisque justement l'avantage de ce petit PCB, c'est qu'il a déjà une petite prise USB qui va me permettre de faire le chargement. Par contre, il n'a pas de petit interrupteur pour le boot. J'ai ma caméra qui fait mais absolument n'importe quoi ce soir. Vraiment n'importe quoi. Mais bon, eh ben. La mise au point, elle est. Ah non, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Pourquoi elle ne fait pas la mise au point correctement? Allez, mise au point, s'il te plaît, caméra de. Du diable. Allez. On va y arriver. Mise au point, ici. Ouais. Bon, si elle pouvait maintenir la mise au point, ce serait pas mal. Donc, comme je disais, sur ce module, il n'y avait pas de petit bouton boot, donc j'en ai rajouté un. Pour pouvoir justement le démarrer en mode boot et pouvoir du coup lui charger le programme. Et c'est ce qu'on va commencer à faire tout de suite. Désolé, je réponds à des messages en même temps, mais je vais préciser que je suis en stream. L'organisation de Noël, un calvaire tous les ans. Donc voilà. Tac. Tac. Voilà, allez, c'est bon. Bon. Hop, hop, hop. Donc, alors, on va aller chercher. On va aller chercher, on va aller chercher. Le petit soft pour faire le chargement. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Hop, là-dedans, peut-être. Yes, ESP Flash Download Tool. Voilà. Donc on va basculer. J'ai ma caméra qui arrive pas à faire la mise au point aujourd'hui. C'est un calvaire. Je vais la foutre en. Comment je peux aller voir les paramètres de ma caméra maintenant? Aïe 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 aïe. C'est pas simple, hein, je vous le dis.
Ouais, mais je peux pas. Ah. Et ça y est, je vais la foutre en mise au point fixe et puis terminer. Allez, hop. Comme ça. Ça ira bien. Bon, voilà. Donc, je disais, on va basculer hop à côté. Donc, je prends mon ESP32. Ok, en mode développe. Je fais OK. Ensuite, je vérifie les ports. J'ai comme 1, comme 9. Et maintenant, je me connecte en appuyant sur le bouton boot. Voilà. Et je vais avoir un nouveau port, le COM8, que je mets dedans. Ensuite, oula, ça a tout perdu. Alors, je vais aller chercher Dear Stream Projet ou Rétro. Il me faut le bootloader. Ensuite, il me faut la table de partition. Et ensuite, il me faut, et ben du coup, le projet. Et du coup, je vais le prendre le SNES. Voilà, comme ça, on charge avec le bon truc. Ensuite, il faut que j'aille chercher. Du coup, sur le GitHub, c'est pas ça. Voilà. Ouais. Alors, il faut que je mette 0x1000, 0x8000 et 0x10000. Donc, on est reparti. 0x1000. 0x8000. Et 0x10000. Ok, 40 MHz DIO. Et donc, je peux faire start. 5. C'est en train de charger dans mon petit module. Et c'est fini. Voilà, c'est chargé. Donc, je peux fermer l'outil. Et je peux débrancher mon petit ESP. Donc, pour l'instant, je lui ai juste mis le petit bouton. Je lui ai pas mis de LED encore. J'ai mis ni LED ni résistance. Bon, ça serait pas mal de lui en mettre une. Pourquoi j'en ai pas mis là-dessus? Je n'en ai pas préparé pour faire ça. Il me semblait en avoir préparé une. Alors des petits modules, j'en ai commandé d'autres, hein, des petits ESP. Parce que là, bah du coup, ça me. Ah non, je l'avais mis sur celui-là, la LED. Et la résistance. Bon, ben. Sur celui-là, il n'y en a pas encore. On va voir si ça marche déjà. Un joueur, puis après, on verra avec deux. Et on verra au fur et à mesure. Bon, donc celui-là. Je vais mettre mon fer à chauffer. La différence avec l'ancien, c'est que les signaux de la Super NES, ils sont pas dans les mêmes tensions que la puce. Donc, il faut utiliser un petit module comme ça, qui est en gros un adaptateur de signal, donc il va permettre de se mettre au signal de la console d'à côté, au signal du petit module de l'autre. Donc c'est bidirectionnel, et du coup, je suis obligé d'intercaler ça entre les deux. La dernière fois, j'aurais bien aimé faire la Super NES, mais du coup, j'avais pas ça, et c'était pas compatible, donc il va falloir que je rajoute ce module en intermédiaire. Ensuite, j'ai mes connecteurs vierges que j'ai achetés. C'est fourni avec des petites pinoches comme ça, là. On va mettre le câble, on va sertir, je vais certainement souder, et ensuite on viendra y insérer directement dans les trous. Une fois que c'est fini, on referme le petit clapet, on coince les fils, et puis après, bah, y a une partie qui vient se glisser par-dessus pour verrouiller le tout, et ça ne devrait pas bouger. Donc ça, j'ai prévu P1, P2 pour le player 1, le player 2, et on va essayer de faire fonctionner tout ça, en espérant que ça marche bien, qu'il n'y ait pas trop de latence avec ces deux choses-là. Là, j'ai ma petite Super NES qui est ici.
avec Street Fighter 2 Turbo qui me permettra de tester du coup la console et surtout bah, sur tester les manettes. Et pour tester, j'ai prévu une 8-bit DO. C'est une SF30 Pro. Donc celle-là, ça ressemble beaucoup à une manette de Super NES avec des joysticks analogiques. Donc je vais utiliser une comme ça. Et puis je dois bien avoir, qui me reste dans mon tiroir, une manette de PS4. Donc on viendra configurer le module aussi pour qu'il puisse... comment dire, qu'il puisse faire... pour de la SNES et puis avec une manette 8-bit DO et une manette de PlayStation. Voilà, allez, c'est parti. Et moi, je vais vous basculer plus près pour que vous puissiez voir les soudures, puisque autrement, vous verrez que dalle. Hop, donc on va décaler le téléphone. Voilà, histoire que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Hop là. Hein ? Et voilà, non, là. Bon, c'est à peu près bon là. Ok, on voit à peu près ce que je fais. Voilà. Bon bah allez, on est parti. Je vais récupérer ma pompe et ma tresse. Que bah ça c'est un module que j'avais déjà utilisé. Il reste de l'étain de partout. Donc on va venir le faire fondre. Et je vais essayer de l'aspirer. Ça n'a pas marché. Pas évident à aspirer. Voilà. Hop. Ça fait un petit peu de bruit, hein, parce que ça claquouille à chaque fois. Mais voilà, là au moins, c'est tout propre. Hop là. Voilà. Ensuite, on a cette petite partie. Et on a notre ESP. J'ai prévu du câble. Des petits connecteurs. On va essayer d'assembler tout ça. Voilà. Alors. On va commencer par faire de ce petit convertisseur jusqu'aux deux ports manette. Et ensuite, on va connecter ça à l'ESP. Donc l'ESP, je vais le mettre de côté. On va s'occuper de celui-là. Alors, il va falloir que je dénude mes fils. Donc, d'un côté, on va commencer par le player 2. Le plus simple, bien sûr, ma pince ne va pas aller. Hop. On met à nu. On va faire une toute petite torsade. Voilà. Hop. Ensuite, je vais approcher ma pointe de fer. Et on va fermer le petit bout. Hop, petite torsade, toujours pareil. Voilà.
Ok, donc là on a HV5 ici en orange et HV6 en bleu. Je vais passer par dessous. HV5 et HV6. Voilà. HV5, HV6. Ensuite, l'autre côté. Et tout pré-étamé. On va le rentrer. Là, on va essayer de... Il doit y avoir un exprès. Hein. J'ai pas ça. Je sens que ça va pas être simple. On va utiliser la petite pince là pour le tenir. Non, je crois que je vais y souder parce que ça va me prendre. Hop, voilà. Ah, oh, il se barre. Ça tient pas dedans, c'est pas vrai. Voilà, donc quand ça commence comme ça, en général, ça me gonfle très très vite. Hein? Ah, ça ne fait plus bouger, mais quand même. On va venir sécuriser tout ça. Voilà. Ok. On va essayer de faire pareil avec le bleu. Je ne sécuriserai pas tout de suite avec de l'étain. Les dents sont toutes mises de travers. Hop. Et je vais mettre un coup d'étain. Encore. Voilà. Allez, là ça fait les deux premiers. Et donc celui-là, eh ben, il n'y a pas besoin de plus. Il faut que je me mette le orange.
C'est le orange au deuxième et le bleu quatrième ici. Donc orange ici, bleu là. Et pour le player 2, a priori, il n'y a pas besoin de plus. A priori. Et ce que je vais faire avant, quand même, c'est qu'on va sortir la gaine thermo. Et on va venir sécuriser tout ça. Recouper un petit bout, si je retrouve ma pince coupante bien sûr. Là. Voilà. On va faire comme ça. Hein? Pierre serrée. Alors on a dit orange, donc c'est bien comme ça. Orange ici et bleu là. Bien enfoncé dedans. Là, ça a l'air bien dedans. Et du coup, on va pouvoir refermer ça et coincer ici. Ouais, ça a coincé que dalle, mais bon. Pas tirer sur le fil, hein, parce que là, il tiendrait pas par grand chose. Merde, j'aurais pas dû faire comme ça. Pas grave. Et enlever. Aïe. Hein, ouais. Je vais tout. Je vais y raccourcir, super. Hop. Je vais refaire un petit coup d'étain. Voilà. Hop. Et du coup, permettre un petit coup de gaine thermo. Alors, je rachète de la gaine thermo. Là, elle passe. En mettre un gros morceau, c'est juste pour pouvoir refermer. Hop là. Pour pouvoir passer ça en fait. Fier de passer par dessus, ah, c'est bon, ça me semblait. Appuyer ça une fois que c'est fermé, ça peut vouloir se rouvrir facilement. Non, ça va encore.
Bon, ça va se rouvrir, bon Dieu, là. J'aimerais partir ça parce que... Là. Repas. Allez, j'ai pas envie de péter le connecteur là, putain. À ce point, avec ouvrir. De son côté, mais de l'autre côté, ça veut pas. Ah, yeah. Eh bah putain. Bon. Alors. Réussir à ça. Deux là-dedans déjà. Avec ma gaine thermo, si je trouve. Et là. Et donc, les deux. Voilà. Je vais pas y fixer définitivement tout de suite parce que je sens que ça va pas le faire. Alors, ensuite, là-dessus, on avait dit, on reprend. On avait dit orange sur le... Et bleu sur le 6. Voilà. Et le bleu sur le 6. Voilà. 5, 6. Ok pour le player 2. Pas prévu, large. Ouais, on va faire large. C'est pas grave. Allez, ensuite. Donc là, j'ai besoin de jaune, rouge. Noir. Vert et marron, orange, bleu et blanc, je n'en ai pas besoin. Donc, les. Oui. Ok. On a dit orange, bleu et blanc. Orange, bleu. Voilà. Et blanc, je m'en servirai pas du tout. Bien. Garde mon module. J'ai du VCC, j'ai du 3,3 volts, c'est bon. Allez, donc on repart à dénuder un petit peu les fils.
Et marron. Donc comme tout à l'heure, la petite torsade. Hop. Après la petite pointe vert et on repart. Et tac, j'ai à peu près tout. Ensuite, on va faire l'autre côté. Et noir, voilà. La petite torsade. Ça c'est pas obligatoire mais ça permet d'avoir les fils bien organisés et ça passe pas tous les brins qui s'éparpillent de partout, c'est pas mal. Alors, ensuite, au tout, ce que je les sertisse, je vais m'amuser. Donc là, c'est là-dedans, coincer le fil. Hop. Et je sécurise avec un petit point, tout petit point de soudure. Voilà. Pas trop haut. Voilà. Ça va être pas mal. Donc là, j'en ai quelques-uns à faire. Mais bon. Ça va aller assez vite, comme le coup de main.
Non, il est silencieux. Hop là. Et on va souder, pas prendre le risque. Hop. Voilà, noyé dans l'étain, ça ira très bien. Allez, plus que 3. Vert, noir et jaune. Voilà. Ah, aïe. Le 2. Merci Philippe pour c'est quoi, c'est un abo, merci, avec ton Prime. Et ben merci pour ton Prime, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Comment ça va? Comment ça va? Je sais pas si tu as suivi du début. Ce soir on essaye de faire un adaptateur sans fil pour manette Super NES, pour pouvoir utiliser des manettes de PlayStation, de Xbox, en Bluetooth avec la Super Nintendo. Donc là, je suis en train de faire les connecteurs, partir les connecteurs, et ensuite, on pourra souder aux petits composants et faire la programmation. Elle a été faite tout à l'heure, et puis faire les tests. Voilà, et puis moi, ça va bien, ça va bien. Écoute, on est reparti sur ces adaptateurs manettes. Le premier que j'avais fait sur la chaîne m'avait un petit peu fait m'arracher les cheveux, puisque moi j'avais un petit module qui me permettait de faire du deux joueurs mais avec énormément de latence. Moi j'avais un module qui n'avait pas de latence mais qui me limitait au un joueur. Pourtant, même programme dedans, même configuration, impossible de savoir. Donc là on va voir avec un autre module encore si ça marche mieux avec la Super NES. On va voir ça. Donc là le module est comme ça. Donc j'ai le rouge. On va faire comme ça. Comme ça, j'ai exactement la même chose. Donc en priori, le rouge est là-dedans. Je vais retirer un petit peu ça. Donc le rouge, tac, comme ça, dans ce sens. Dans ce sens, le rouge doit être tout à droite. Tout à droite. Dedans. Allez, entre. La cavité, toi. File dans ta chambre. Voilà, le rouge. Ensuite, juste à côté, arrive le vert. Hey. Pas de logique dans son emplacement. Ensuite, juste à côté, arrive le marron. Tac. Et enfin. Le jaune sur cette partie.
Et le enfin arrive maintenant. C'est le noir qui lui est à l'extrême opposé. Voilà. Donc on va bien pousser. Se barrer. Ensuite, on va venir remettre alors tirer les fils. Voilà, comme ça c'est propre. Ah, comme ça c'est nickel là. Voilà. Qu'ils soient à la même longueur ici. On va remettre un petit bout de gain thermo. Gain thermo, c'est gain thermo rétractable. Hop, juste là. Comme ça. Et je vais pouvoir verrouiller cette partie. Tac. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le bout de gain thermo. Alors, est-ce que j'en avais déjà pas un bout là tout à l'heure? Normalement, si. Il est passé où mon petit bout de noir que j'avais? Malin ça. J'ai perdu. J'ai perdu. Je l'ai remis dedans, bien. Mince, j'avais un petit bout de. De gaine noire, où qu'il est passé? Où qu'il est passé? Ah, il est là. Je vais en recouper un petit bout. Hop. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Juste un côté. Et on va venir. Et passer par-dessus ce petit bout de verre là. Pas de beaucoup, mais un petit peu. On va dire que ça tienne. Voilà, allez, un petit coup de chauffe pour le faire se rétracter. Voilà, et après, j'aurai juste à remettre ce petit cache pour le player 1. Voilà, pareil, pour l'instant, pas le fixer définitivement. C'est jamais. Allez, ensuite on va aller souder tout ça sur ce petit composant. Alors, on a le rouge. Le rouge, on va commencer par le noir peut-être. Et le GND. Arrivé, non, je vais plutôt y mettre. Voilà. Alors, le GND, il veut bien rentrer ou pas? Oui, appuie dessus là. Oui, et on éteint là. GND. Ouf, voilà. Les schémas, je peux les mettre sur le Discord. Après, je peux te mettre les liens de ce que j'ai trouvé dans le chat directement. Il y a ça, c'est un, il me semble en espagnol, mais il y a une vidéo YouTube où il explique ce qu'il a fait. Alors, bien sûr, l'avantage, c'est que tu peux mettre la traduction et les sous-titres et la traduction. Et puis, il a mis son schéma. Et ici. Et puis autrement, c'est directement sur le GitHub de Blue Retro. On a tous les schémas de câblage aussi sur le GitHub de Blue Retro. Voilà. Je pourrais les mettre sur le Discord aussi.
Voilà. Donc sur le Discord, on a voilà, on a tous les touk 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 touk, c'est où? Voilà. SNES SFC pour Super Famicom. Il y a le schéma de chacun des petits connecteurs gauche et droite, et puis après ben ça c'est le petit module de conversion, voilà, avec des petits transistors à utiliser et les correspondances dans un tableau. Il y a tout sur le GitHub. Voilà, et moi j'utilise plutôt le café, le, pas si c'est espagnol ou peut-être Amérique du Sud, je sais pas. Je sais pas trop la langue, mais en tout cas, c'est bien, les vidéos sont bien faites. Et je me suis basé sur le travail de cette personne. Voilà. Alors, j'en étais où? Là, il me faut mon 5 volts. Donc, c'est un 2H4, donc c'est ça. C'est bien ce qu'il y a là-dedans. On éteint. Hop. C'est pas si chaud que ça. Franchement, c'est pas si chaud que ça. Le truc, si, ce que je peux te filer aussi, c'est là où j'ai acheté les composants. Alors, c'est tout sur AliExpress, mais je peux te filer le lien de la boutique où j'ai acheté tous les connecteurs vierges comme ça. Ça s'invente pas. Alors soit tu as des manettes Super NES pétées, tu coupes le câble et tu les récupères. En plus, ils sont démontables, hein, les connecteurs de Super NES, ils sont démontables hyper facilement. Soit tu achètes des connecteurs vierges comme j'ai fait moi. Et la boutique, voilà, c'est celle-là. Moi, j'ai trouvé sur cette boutique. Paf. Et au niveau des modules ESP, moi j'ai commandé sur une boutique qui s'appelle WinWin. Et j'en ai pris plusieurs pour tester. Tac. Et tac. Voilà. T'as tout dans le chat. Et après. Ouf. Discord, je suis pas hyper habitué, mais ouais, faut que je me fasse plus de rubriques là. Je vais mettre ça dans général de mon Discord. Comme ça, a posteriori, tu pourrais y retrouver. Alors, comment je vais mettre ça? Boutique pour module ESP32. C'est bien des ESP32 qu'il faut prendre, c'est pas des ESP8266. Hop. Donc ça, c'est la boutique. Ok. Ensuite, il y avait la boutique pour les connecteurs manettes. Pour les connecteurs manette à souder. Paf, t'as accès à mon Discord, Philly? Ensuite, il y avait le tuto en espagnol. Tuto Blue Retro. Je crois que c'est de l'espagnol. En espagnol, voilà, avec le lien de la vidéo de YouTube. Alors, tac, et voilà. Si tu veux accéder au Discord, normalement, avec ça, ça doit être bon. Donc, ça, et puis le GitHub du projet. GitHub du projet. Voilà.
Voilà, normalement t'as tout, puis tu pourrais retrouver sur, sur Discord directement. Voilà, mais je vais rajouter un salon. Texte. Je vais l'appeler en live. Et je verrai pour changer l'icône. Voilà. Hop, t'hésites pas à me dire si t'arrives pas à accéder au Discord. Allez, je repars. Donc le rouge après H, U4, c'est le vert. Et ouais, non, je disais, c'est pas, il est pas si compliqué que ça comme un mode, ouais. Oui, si on peut dire que c'est un mode. Il est pas si compliqué que ça à faire. Alors, pour la Super NES, un petit peu plus, parce qu'il y a un petit convertisseur de tension à utiliser. Mais pour PlayStation, par exemple, c'est relativement simple. Après, moi, faut que je poursuive un peu mes essais avec d'autres modules. Je trouve le bon ESP pour faire ça, parce que pour l'instant, il y en a un... qui a jamais voulu faire du 2 joueurs et un qui m'a fait du 2 joueurs mais avec énormément de latence. En plus je testais ça sur un jeu de combat, donc autant dire que la réactivité pour faire des contres et tout ça c'était pas terrible. Voilà pour celui-là. Bien, on est pas mal. On est pas mal. Ah ouais, c'est un super projet. Alors pour le coup, sur la PS1, j'ai trouvé vraiment ça excellent de pouvoir jouer à PS1, PS2, parce que c'était les mêmes types de manettes, c'était les mêmes connecteurs, avec une manette de PS4, PS5, une manette type 8-bit do comme ça, manette de Xbox One, c'est génial, c'est beaucoup trop bien comme mode. Moi je suis grand fan de ce mode, vraiment. Je trouve ça extraordinaire. Après, je m'emballe beaucoup, mais... Non, vraiment, je trouve ça beaucoup trop bien. Ah ouais, c'est un super projet. Et il y a tout, hein. Vraiment, toutes les vieilles consoles qui avaient des manettes filaires, peut-être pas tout, mais énormément de vieilles consoles avec manettes filaires, on peut faire ça. On peut faire ça pour la Dreamcast, on peut faire ça pour la Saturn, on peut faire ça pour la 64, pour la GameCube, on peut faire ça dans PS1, PS2, la NES, la Super NES, la PC Engine... Enfin, c'est tout décrit sur le GitHub. Où est-ce que je vais trouver ça? Là, voilà. Alors, on a pour NES, Atari 7800, PC Engine ou TurboGrafx 16, la Master System, la Mega Drive, Genesis, la Super NES, le CDI, la 3DO, la Jaguar, PS1, PS2, la Saturn, PC FX. Virtual Boy, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube et la Wii. La Wii qui avait aussi des ports manettes GameCube. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait du monde déjà. Ah non, moi quand je suis tombé sur ce mode, j'ai dit ouh, ça faut que j'essaye, c'est juste trop bien. Et ouais, un très beau projet, tout à fait. Hop, alors, récupérer ce bout de câble. Voilà. Donc là, tous les fils vont me servir puisque le blanc va me servir à ramener le 3,3 volts et le rouge sera pour le 5 volts. Là, ils vont tous, absolument tous me servir. Ah.
Alors, j'ai pas pris une grande longueur hein, parce que c'est juste pour connecter de l'un à l'autre. Voilà, il va pas y avoir besoin de beaucoup. Ouais, c'est clair. Bah, les manettes de PS1, PS2, elles étaient pas mal en termes de longueur de fil, mais ils avaient pas le choix, fallait bien des longueurs puisque les consoles étaient plutôt près de la télé et nous on était plutôt loin de la télé sur le canapé. Même si les télés n'étaient pas grandes, on n'était quand même pas non plus super super près quoi. Encore que avec les petites 36 cm, on n'était pas loin non plus. Hein. Mais voilà, plutôt que de faire des câbles de manette un peu plus courts et des câbles d'alimentation et vidéo un peu plus longs, histoire de pouvoir être près de la console et changer les jeux sans avoir par exemple à se lever du canapé, bon ça c'est une autre histoire, ils avaient préféré faire des câbles manettes longs. Non, puis des vieilles manettes fonctionnelles, c'est ça va être de plus en plus rare à trouver. Donc là, avec nos manettes dernière génération, on peut jouer à des consoles. Et puis bah, sur le GitHub, il donne des plans pour utiliser un connecteur parallèle. C'est un sub D25, je crois, donc avec 25 connexions possibles. Et en fait, avec plusieurs adaptateurs sub D25. En branchant sur le même ESP32, et ben on peut changer de type de console. En fait, on a juste à se faire des adaptateurs comme ça, avec le port sub D25 ici, et on vient brancher ça sur le ESP32. Et on se dit, bah tiens, je branche l'adaptateur Super NES. Le lendemain, je veux jouer à la PlayStation, bah, je branche l'adaptateur PlayStation. Et du coup, on peut avoir un seul petit ESP générique pour tout. Je trouve ça. Ça plutôt cool aussi. Donc on peut aller loin. Moi je préfère me faire vu le prix des modules ESP32, en plus ça coûte 3-4 euros sur AliExpress, je préfère me faire des modules dédiés pour chacune des consoles, donc soudés en dur dessus, mais c'est tout à fait possible de faire quelque chose de très très adaptable, très modulaire. Donc non, ce projet GitHub est beaucoup trop bien. Moi, je suis grand fan. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hop. Le bleu, le petit dernier. Voilà. Alors. D'enlever un petit bout. Non, bah c'est pas onéreux. Les connecteurs sont pas forcément donnés, mais bon, enfin, pas cher. Un connecteur, ça doit coûter 1 euro, 1,50 euros, peut-être 2 euros. Et par contre, bah il en faut deux pour la PlayStation, deux pour la Super NES. Si on veut faire plusieurs adaptateurs, ça multiplie un petit peu les coûts. Et un petit module ESP32, ça coûte dans les 4-5 euros, quoi, grosso modo. Donc allez, pour 10-15 balles, on se fait un adaptateur pour une console, quoi. Ce qui reste quand même raisonnable. C'est moins cher que le prix de deux manettes d'occasion, hein, de toute façon. Donc ça reste effectivement intéressant en termes de budget. Alors. Bleu. Ça va être le LV6 qui est ici. Ouf. Et le plastique en dessous qui a fondu et mon module qui est. Et mon fil qui est ressorti à travers.
essayer de faire ça un petit peu plus propre. Voilà. Et surtout un petit peu plus solide, avec un peu plus d'étain. Voilà, on va faire une belle petite boule d'étain. Ok. Ensuite, on a dit orange sur le LV5. Ok. Ensuite, le noir pour le JND. Voilà. Ah, c'est ça, la console, elle communique en 3,3 volts. Non, 5 volts. Et le SP, lui, il est en 3,3 volts. Donc, il faut adapter les signaux. Alors là, on a le 3,3 volts. Je vais le mettre en blanc. Donc, c'est le LV ici. Et là, et ben cela, typiquement, c'est, sur la Super NES, on pourra pas le miniaturiser. Eh ben écoute, pas de soucis, passe une bonne soirée, profite bien de ta soirée, et je te dis à très bientôt, merci pour le Prime, vraiment, avec c'est un grand plaisir, ça soutient la chaîne, merci beaucoup, et puis bah à la prochaine. Alors hop, après on a le vert, donc c'est le LV4. Voilà. Ensuite, on a le marron. Ça doit être le LV3, c'est ça. Voilà. Et enfin, le jaune, le LV2. Hop là. Et le dernier fil qui me reste, c'est le bout de rouge qui est là. Et le bout de rouge, il doit aller sur le HV de l'autre. Voilà, puisque lui, je récupère le 5 volts. Il vient de la manette pour alimenter mon module. Donc là, je le mets sur celui-là. Voilà. Ouais, c'est bon. Et donc, je peux normalement en retirer tous mes fils. Ça me permettra d'avoir du mou. Mieux qu'avec une gaine thermorétractable. Franchement, ça va peut-être être l'adaptateur manette le plus propre que j'ai fait. Voilà, comme ça je vais pouvoir dénuder et souder tous ceux qui me restent. Ah, c'est bien ça, c'est propre. Bien quand c'est propre comme ça. Et ça, ouais, c'est bon pour les deux connecteurs, là, ça va le faire.
T1. Je vais le mettre ailleurs, le petit autocollant, parce que je vais pouvoir le récupérer sans l'abîmer celui-là. Ça a gagné ça. Hein. Non, mais il suffit de faire comme ça. Fiche bête. Voilà, P1. Non, mince, je me suis trompé. Hein. Et comme ça, P1, P2. Ah, c'est ça. Hop. Voilà. Et à terme, bien sûr, ça, j'aimerais bien y faire une petite impression 3D pour venir faire mes deux... Mettre ça dans une boîte, quoi. On verra ça après. Hop. Et hop. Et on repart, petite torsade, un petit coup d'étain, et on vient y mettre sur mon module. Hop là. Allez, on repart. Blanc. Vert. Noir. Bleu. Orange. Jaune. Et le rouge. Voilà. Ensuite. Et là où ça se corse. Hop. Alors, bon, on va brancher un GND déjà. Hop. Voilà. Ensuite, alors, j'ai le bleu sur l'IO 22. IO 22, il est ici. Le bleu IO 22 qui est là. Voilà. Ensuite, on a le jaune sur l'IO 19. IO 19. IO 19. Et... Merde. Des trous ici. Aïe.
Allez, pompe. Pas dessouder. Boucher ce trou là. Allez. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons Ayo 18 en orange. Ayo 18, c'était celui juste au-dessus. Ok, ensuite nous avons le vert en Ayo 5. Ayo 5. Ok, Ayo 5 c'est ici. Ah non, c'est bon, il est dedans là. Allez, il est dedans. Il est resté dedans. C'est bon. 5 ici. Ok. Ensuite, il va me rester le marron en 32. Alors, Ayo 32. 33, 34. 5. Il y a bien un Ayo 32 là-dessus. Il y a 34, il doit y avoir 32. Là, 32. Donc on a dit marron. Ouais. Ok, ensuite, on a le rouge qui est le 5 volts et le V-in, et le blanc qui est le 3,3, donc qui est celui-là. Allez, non, il rose par là. Voilà. Et donc le V-in, le VCC. Là, VCC doit être ici. VCC de 5 volts est converti par la carte hein, et pas par le module 3,3. D'envoyer des signaux 3,3 volts. Voilà. Allez, là on est bon. Là on est bon et on va pouvoir faire les tests. Je ne mettrai pas un voyant avec une résistance. Je me rappelle plus si c'est galère à faire ou pas.
Est-ce qu'il me reste là-dessus? Est-ce qu'il me reste des GND quelque part? Non, il va falloir que je me reprenne un autre GND existant. Ah non, j'ai encore un GND là. On pourrait faire ça relativement facilement. Allez, on va chercher ça. Est-ce qu'il me reste des LED bleues? Je sais pas. Alors, du coup, combien j'ai? En 10 kilos. 10 kilos. De 10 kilos, c'était bien ça? Est-ce que c'était bien ça? Me rappelle plus. Non, c'est... Non, c'est ça, c'est une 100 ohms. 100 ohms. Alors, qu'est-ce que j'ai en 100 ohms? Ensuite, alors, moi j'ai le IO 17 déjà, sur lequel il faut que je branche ma radio.
Et l'autre côté. Ça va au 3,3. Merde, j'aurais peut-être pas dû couper la patte si court. On a dit IO 17. On va se la jouer comme ça. IO 17. Voilà. IO 17 jusqu'au 3,3. Donc le 3,3, il est où? Il est là-bas. Allons bon. Comment je vais faire ça? Passer. Bon, je vais y débrancher. Le temps de faire le montage parce que je sens que je vais faire une catastrophe. La petite pince, elle est passée où? Voilà, IO 17, 3,3. Et est-ce que ça va y rentrer en même temps que ce fil là? Ça serait bien ça. Oui, si, ça rentre. Éteint. Ok. Et ensuite, moi, ma diode, entre ça. Le 17 et le GND. Là, je vais pouvoir tester si ça marche. Donc je branche, hop, et on a dit entre ça, ça, ça marche pas. On va tester le contraire. Donc entre. Ça a marché, mais ça va pas marcher longtemps.
Voilà. Alors. Là, ça marche. Allume. Voilà, ça s'allume. Ça s'allume bien même. Hein. Bon, maintenant, Blue Retro avec le téléphone. Est-ce que j'ai encore la page? Oui. Alors, Blue Retro, connect Blue Retro. Désactive Bluetooth. Ah ouais, ça aide pas. Connect Blue Retro. Par contre, ça devrait pas clignoter fixe là, c'est bizarre. Ça ne devrait pas être fixe, la lumière, ça devrait clignoter. Il va falloir que je recharge le module. On verra. Pour l'instant... Reset, on va voir. Ah voilà. Blue Retro. Allez. Associé. Les clignotes, c'est bien qu'il est en attente d'appairage. Ah. Que des erreurs, que des erreurs. Cannot set properties. Allez, index. Moi, je veux advanced config. Connect. Bien sûr, faut pas qu'il y ait de manette appairée pour pouvoir connection fail. On chie ces modules. Ça marche pas comme je veux. Allez, s'il te plaît, je vais pas y passer la nuit à essayer de me connecter. Ah, ça y est. Bon, voilà. Donc, système. Et ben moi, c'était une SNES. Elle est où SNES? Ah. Multitap, non. Auto. Mode gamepad, rumble, mais... Bon, allez, save. Et alors, course. Et là, il faut trouver une manette qui corresponde. Ah, c'est ça. Pareil, du coup, c'est... Hop. Normalement, il me fait le... mapping pour le device 1 save et pour le device 2 course une manette de PS4 PS5 route la SNES. Ah. Ok. Et device 1 et PS4 PS5. Bon, on va essayer comme ça. Voir ce que ça donne. On va essayer comme ça. Allez, on essaye. On essaye, on essaye. Et on va passer du coup
là-dessus. Donc, ça. Salut Lothérion! Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, on est en train d'essayer de se faire un petit mode adaptateur Bluetooth pour la petite Super NES qui est ici. J'ai des petites LED. Et bienvenue sur le chat, je crois que c'est la première fois que tu es sur le chat. Donc pour résumer ce qu'on a fait, on a récupéré deux connecteurs manettes vierges à souder. On a mis sur un petit convertisseur de tension bidirectionnel pour faire du 5 volts qui est dans la manette. On va remettre comme ça. Pour faire du 5 volts qui est dans la manette d'origine à 3,3 volts qui est dans le petit module ESP32 qui est ici. Et ça, du coup, maintenant on a tout fini l'assemblage, et ben on va pouvoir débrancher le module de l'USB et on va venir le brancher à la console. Donc je vais pousser mon fer à souder, je vais débrancher la manette d'origine. Et on va venir brancher P1 et P2 de mon adaptateur. J'aimerais bien que ça ne se clipse pas, ça. Parce que s'il y a un problème, j'aimerais pouvoir y démonter. Voilà, P1, P2. Et donc, le verdict va être... Ah, c'est possible qu'on soit croisé chez un Foréa. Oui, oui, tout à fait. Il fait des... Je passe régulièrement dans son chat, il me fait un shout-out à chaque fois, effectivement. Un Foréa, ou peut-être Cabri aussi. Hop, allez, on va faire un petit peu de vide sur le bureau, parce que c'est le bazar. Et puis c'est dégoûtant aussi, mais ça, c'est un autre problème que je résoudrai plus tard. Donc, voilà, allez, on passe...
mode programmation, je le branche et je vais pouvoir aller chercher mon petit logiciel Flash Download Tool. Si ça veut bien me le lancer. Ok, Flash Download Tool. Je sélectionne ESP32 en mode develop. Je fais OK. Je suis toujours sur le COM8. Il le voit. Là, ça a normalement pas bougé. Tac. Je vais faire un erase. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a sur le module. On va lui faire un effacement général. Et on va voir ce que ça donne après. OK, finish. Et maintenant, start. Et là, je vais lui recharger l'intégralité de mon petit firmware. Ok, ça prend un petit peu plus de temps que tout à l'heure, donc ça va peut-être mieux marcher du coup. Ouais, tout à l'heure c'était pas aussi long, donc il avait peut-être vu que le module y était déjà, et c'est peut-être pour ça qu'il était encore configuré en mode PSX. On va voir. Finish. Ok. Finish. Donc, je le débranche. Je le rebranche. Sans le mode boot ce coup-ci. Et on va... Mais il se met pas en mode appairage, c'est très bizarre. On va voir avec le téléphone ce que ça donne. Connect. Il le voit toujours pas. Il le voit toujours. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le prend pas? Oh non, là j'ai rien. Et rien, si j'appuie sur la touche reset là, il passe rien. Rien qui fait contact nulle part. Il n'y a pas un petit court-circuit, non? Non, hein, rien de particulier là. Ma foi. Très très louche cette affaire. La LED elle devrait pas être fixe, elle devrait clignoter pour dire « Hey, je cherche à m'appairer à quelqu'un. » Au démarrage, il devrait chercher à faire l'appairage. Et il le fait pas. Alors, est-ce que c'est le module qui est pas le bon? Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est le démarrer en mode boot. Et on va le recharger encore une fois. Donc je retourne chercher mon logiciel. Là je donne le tool. ESP32. Ok. Je lui prends le bootloader, le partition table. Dac, ça marche. Et je vais pas prendre le SNES. Je vais changer. Je vais prendre le Universal. On va essayer avec celui-là. Je vais refaire un erase. On va tout supprimer. Alors, est-ce que c'est bien 115002 qu'il faut mettre? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut mettre? Là, GitHub. Firmware. 921600. Et ben on va changer. On va mettre ça. On doit peut-être aller plus vite. Start. Ah oui, ça charge plus vite là. Effectivement. Ok. Si j'appuie sur reset là, il me le déconnecte ou pas? Non.
débrancher. Et le rebrancher. Et ça, je n'en ai plus besoin. On va regarder encore. Il redémarre pas en mode... En mode appairage. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là? Pourquoi il veut pas? Oh, merci Quack pour le raid. Comment tu vas? Comment s'est passé ton live? Alors, on fait pas du rétro hein, ce soir. Tu commences à connaître. On fait. Donc, on essaye. Enfin, on fait pas du rétro. Presque un peu, hein. On a une belle petite Super Nintendo ici. Et on essaye de faire un adaptateur Bluetooth pour manette. Et pour l'instant, j'ai des soucis avec mon petit module ESP32 qui veut pas faire ce que je lui demande. Voilà, et bah bienvenue, bienvenue à tous sur la chaîne. Installez-vous et merci pour les follow qui commencent à arriver. Merci Hybrinator pour ton follow. Alors, pourquoi il se met pas en mode appairage ce fichu module? Je viens bien de tout le recharger. Et merci Shoryu pour le follow. Ah, ça m'enquiquine ça. Je vais quand même pas tout redessouder encore et changer de module. Celui-là, il me paraissait pas mal. J'en ai pas 50 des modules en plus. Ah non, il veut pas partir en mode appairage. C'est bizarre. Salut à toi, Hibernator. Alors, j'ai vu que tu streamais un jeu que je ne connaissais pas du tout, Quack. C'était quoi exactement? Non, il le voit pas. Alors, quand ça marche, parce que là pour l'instant ça ne fonctionne pas, ces petits modules, ça permet effectivement de se connecter. Alors, une fois qu'on a soudé les bonnes prises manettes, on peut faire des adaptateurs pour plein de vieilles consoles. Donc ça, je peux te donner la liste des vieilles consoles avec lesquelles c'est compatible. Alors, c'est compatible avec la NES, l'Atari 7800, la PC Engine, la Genesis ou Mega Drive. Salut Shoryu. Popful Mail sur Mega CD, je ne connais pas du tout. On peut aussi adapter donc sur Super NES, sur CDI, sur 3DO, sur Jaguar, sur PlayStation 1, PlayStation 2, sur Saturn, sur PCFX, sur Virtual Boy, sur Nintendo 64, sur Dreamcast, sur GameCube et sur la Wii. Donc en ayant les bons connecteurs vierges à souder, on peut avoir toutes ces manettes. Ensuite, en Bluetooth, on peut connecter des manettes de Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, les petites 8-bit d'eau comme ça. On peut connecter des manettes de PS3, c'est un peu plus fastidieux, mais on peut. Bref, toutes les manettes Bluetooth du moment, on peut les connecter. Donc ça permet d'avoir des manettes nouvelle génération, PS4, les petites 8-bit d'eau, sur les vieilles consoles, sans fil du coup. Mais là, mon module, eh ben, il fait pas ce que je veux. Là, j'arrive pas à le programmer. Je l'ai chargé avec le firmware qui va bien, mais il veut pas se mettre en mode appairage. Normalement, il est censé clignoter. La LED bleue, elle est censée clignoter pour dire je suis en train de chercher à me jumeler avec un autre dispositif Bluetooth. Et là, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer de le rebrancher en mode boot en appuyant sur ce petit bouton que j'ai là. Hop. Oui, on met deux manettes sur un seul module. Ça permet justement de faire du deux player avec un seul module. C'est normalement ce qui est censé pouvoir être fait. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y en a que ça intéresse, je vous mets le lien du GitHub dans le chat.
Vous pouvez aller découvrir le projet. C'est franchement sympatoche de chez sympatoche. Il y en a qui sont tentés. Un petit module ESP32 comme ça. Non, là, c'est pas une alim USB. Là, c'est relié à mon PC parce que je vais essayer de recharger le module. Je vais lui faire un formatage complet. Et je vais essayer de recharger le module de zéro. Voir si j'arrive à faire mieux. Pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Donc, on va passer sur l'écran. Et on va aller chercher le logiciel qui va bien, à savoir Flash Download Tool. Je me mets en ESP32, c'est ce que c'est. Eh bien, un ESP32. J'ai pas 50 000 choix non plus. C'est pas un S2, un C3, c'est un ESP32 classique. Ok. Il est bien sur le port COM 8. Je vais faire un effacement. Normalement, il efface tout. Exactement, le Bluetooth, tout le module en fait est alimenté par les ports manettes, puisque toutes les manettes avaient sur les connecteurs soit du 5 volts, soit du 8 volts. Voilà, les manettes de PS1, PS2, elles avaient du 5 volts, non, du 3,3, pardon, du 3,3 et du 8 volts. Donc on récupère le 3,3 et ce genre de module peut s'alimenter en 3,3 volts. Et du coup. Ça permet d'alimenter et de faire la connexion Bluetooth. Donc en 3,3 volts, ça suffit. Et là, ben pour les Super NES, on passe par un tout petit adaptateur. Montre. Voilà, ça, c'est un petit convertisseur de tension, en fait, pour convertir la manette qui est tout en 5 volts et le module qui est en 3,3. Ensuite, c'est tout Bluetooth. C'est connexion Bluetooth. Alors. Ah, mais c'est peut-être ça, 0,000, c'est 0,10 000 qu'il faut que je mette. Ah, c'est peut-être ça le truc. Alors ici, je vais aller chercher. Du coup, je vais reprendre mon SNES de firmware et je vais recharger avec ça. Ah, je pense que j'avais fait une erreur ici. C'est pour ça que ça ne marchait pas. On va réessayer. Voilà. Ok, finish. Ça a dû se charger correctement. Donc, on ferme. On repasse là-dessus. Donc, je le déconnecte et je le rebranche juste pour l'alimenter. Ah, déjà la LED, elle n'est pas allumée. Donc, il y a déjà du mieux. Ensuite, si je maintiens mon petit bouton, est-ce que ça repasse en mode appairage? Ah, il y a un clignotement. On va essayer. Ah, ça s'allume. Est-ce que ça passe en mode appairage? J'ai pas l'impression, ça reste fixe. Allons bon. Non, ça refait comme tout à l'heure. Alors, niveau lag, c'est ce que je disais en début de stream. J'ai eu tous les cas. La première fois que j'ai fait ce prototype, je l'ai fait donc pour PlayStation 1, PlayStation 2. Ok? Avec une vieille manette pétée que j'ai récupéré le câble. Et avec ce module, super bien. Pas de lag, vraiment zéro input lag. Par contre, impossible de configurer en deux joueurs. Pourtant, j'ai tout mis en deux players et tout. Donc quand je mettais un deuxième connecteur, impossible d'avoir du deux joueurs. Ça marchait pas. Ensuite, j'ai dit, bah, je fais l'essai avec juste la puce. Vous voyez, c'est juste la puce qui est dessus là. Et je fais de la miniaturisation. Donc j'ai soudé tout là-dessus. Là, j'avais du 2 joueurs, mais j'avais un lag de malade. Et comme ben là, j'ai que la puce, j'ai pas tous les petits composants qu'on a dessus, les régulateurs de tension, la mémoire en plus et tout ça, je me suis dit, il y a peut-être un souci. Et puis, ben, j'ai ce troisième module là, qui est un peu plus petit, mais qui correspond en gros à cette carte là, mais en miniaturisé. Et là, ben, pour l'instant, j'ai pas réussi à tester l'input lag, puisque j'arrive même pas à configurer mon module. Correctement pour qu'il se mette en mode appairage et que je puisse le voir avec avec mon téléphone, puisque ben, c'est pas Facebook que je veux, c'est le navigateur web. Voilà, un petit soubresaut de clignotement, c'est bien. Et avec la page blueretro.io, normalement on doit pouvoir voir le périphérique Bluetooth s'afficher et se connecter. Oh, clignotement, ça c'est le mode appairage. Donc normalement là dedans dans mon téléphone je devrais pouvoir le voir. Ouais, c'est vrai que l'appairage, ça y est, je le vois, Blue Retro SNES. Ah, il y a déjà du mieux.
tout à l'heure, c'était resté en PSX. Alors bien sûr, ça galère à se connecter, voilà, mais il le voit. Ça y est, ça se charge. Et on a du mieux, là. On a du mieux. Alors, on va essayer de se faire un petit zoom en plus, là, pour que vous voyez un petit peu. Ok, donc système, eh ben, on va lui dire que c'est de la SNES. Multitap, non. On peut même connecter plus de deux manettes, puisqu'on peut lui dire c'est en multitap, ici. Et donc, il y a les signaux, c'est tout prévu pour faire le multitap. Et donc, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs avec les voilà, 5 manettes Bluetooth connectées au module. Et du coup, ça simule le multitap. Donc ça, c'est génial aussi. J'ai pas eu l'occasion d'essayer, parce que j'ai déjà pas assez de manettes. Là, j'ai une PS4 et une 8-bit d'eau pour faire les essais. Mais a priori, c'est possible. Gamepad, accessoire. Sur la Super NES, il n'y avait pas de vibration ni rien, donc je mets non. Mais pour PlayStation, par exemple, on peut mettre le Rumble, on peut mettre aussi de la mémoire, éventuellement. Mapping. Alors, c'est là où je vais mettre PS4, PS5. Et en sortie, donc, c'est de la SNES. Donc là, il me fait les mappings tout seul. Et ensuite, donc le mapping, hein, c'est qu'il adapte... les boutons de la manette qu'on va connecter dessus. Donc là, je vais essayer avec la manette de PS4 aux signaux de la Super NES. Et ici. Donc normalement, il se débrouille tout seul, il fait l'adaptation. Donc là, ça a enregistré. Je peux éteindre le téléphone. Je peux débrancher le module. Et on va venir brancher ça à la Super NES. Et on va pouvoir tester avec le jeu Street Fighter 2. Hop, on va se mettre comme ça. Hop. Hop. Et power. Je démarre. Oh, ça a changé d'écran, ça. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, elle repasse pas en mode appairage, cette cochonnerie. Donc déjà, ça marche pas. Pourquoi elle veut pas repasser en mode appairage? Quatre. Normalement, quand on appuie 3-4 secondes, ça se remet en mode appairage. Mais bon, allez. Et ouais, mais c'était l'idée que j'avais au départ, en fait, Shoryu. C'était après de me faire une modélisation pour de l'impression 3D et de tout intégrer dans un seul module. Pff, on branche en manette une, en mode multitap, et puis ça part. Mais j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui n'acceptent pas de faire du deux joueurs classiques, comme Street Fighter par exemple, avec un multitap. Il faut vraiment brancher une manette sur port 1, une manette sur le port 2. Donc là, c'est l'idée que j'avais, mais c'est pas possible. Mais après, voilà, avec deux petits bouts de fil... dans un petit boîtier imprimé en 3D, ça peut vraiment s'adapter, je pense, plus facilement. Donc, c'est à voir. C'est à voir. Et là, je retrouve pas le module. Pourquoi il veut pas? Je vais débrancher la manette 1. Pour que ça éteigne le module. Hop. Et je vais rebrancher. Tac. Ah, c'est fou, ça. Dès que je le débranche et que je le rebranche après, il... l'impression qu'il me perd la config, qu'il fait n'importe quoi. C'est un mode qui est vraiment beaucoup trop bien, à mon sens. Hein. À mon sens, c'est beaucoup trop bien. Mais là, visiblement, en tout cas avec ce module, j'ai beaucoup de problèmes. Là. Le premier, donc ce que je pourrais faire, c'est ressouder tous ces fils à la place de mon connecteur PS1 pour tester avec un autre module, lui recharger le firmware et tout ça. Mais bon, c'est pas... là pour l'instant, c'est pas très probant. J'éteins, je redémarre. Non, j'ai pas eu de retour particulier, mais honnêtement, je pense pas que ça consomme beaucoup plus. Parce que de base, de toute façon, les manettes d'origine, il y a un petit peu d'électronique dedans. Et elle consommait déjà un peu, donc il n'y a pas de raison que la console consomme plus pour alimenter ce petit module Bluetooth. Les petits modules Bluetooth, c'est vraiment très basse consommation. Hein. Y a, à mon avis, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, alors, est-ce que c'est pas moi qui aurais mal branché
En tout cas, pas au bon endroit. Le VCC. L'alimentation. Je vais regarder ça. Parce que ça se trouve, c'est tout simplement ça. Si je la rebranche en USB, là, qu'est-ce que ça donne? Ah, là, j'ai pas la même chose. Donc, il y a peut-être un souci d'alimentation sur ce petit module-là. Ouais, là, ça repasse bien en mode appairage. Alors, visiblement, j'ai merdouillé sur l'alimentation. Ouais, ça a l'air de repasser en mode appairage, là. Clignote de temps en temps, mais ça me faisait pas ça tout à l'heure, c'était resté fixe. Donc, voilà, là, ça se reset bien. Donc, j'ai peut-être merdouillé sur le 5 volts. Alors, le blanc. Le blanc, c'est censé être mon 3,3 volts. C'est ça. Et le LV qui est là. Donc, le blanc. Et je l'ai bien mis au 3,3. Donc, ça, c'est bon. Par contre, c'est mon rouge. Je l'ai mis au VCC. Mais j'ai rien d'autre en fait que le VCC. GND, Sun, RX, TX, GND. GND, non j'ai que ça de toute façon. SDD, c'est quoi SDD? Oh, c'est bien VCC normalement. Et le 5 volts, je l'ai bien mis ici. Sur le HD. Non, bah ça doit être. Non, ça normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça veut pas? Le module qui est récalcitrant? Dommage. C'est dommage. J'ai pas. Voilà, des modules Bluetooth, j'en ai pas bien d'autres pour tester. Celui-là, il marche pour la PlayStation 1 en un joueur. J'ai bien envie de le laisser comme ça, de le garder fonctionnel. Donc, et après. Signature qui pourra pas marcher parce que lui il me convertit pas le 5 volts en 3,3, donc je suis un peu contraint et forcé de rester avec ça. GND et IO 0, non, j'ai. Je vois pas ce qui pose problème. C'est forcément au niveau de l'alimentation. Alors est-ce que c'est ce module qui. Merdois. Et tout neuf. M'étonnerait. Bleu. HV6. Orange. HV5. Noir GND. Le rouge. C'est le 5 volts. Du coup, qui vient de. De la manette. De la console. Oui, c'est ça, Chorio, je vais prendre celui du téléphone, ouais. Mais je suis pas sûr avec un marteau de retrouver les pins qui correspondent. C'est le problème. Ensuite, mais merci pour le conseil. Je prends note. HV4, c'est le vert. HV3, c'est bien mon marron. Et HV2, c'est mon jaune, c'est ça. Et l'autre côté. L'autre côté, on a LV6, LV5, bleu, orange, mon GND, mon 3,3 volts sur le LV, ok. Ensuite, le 4, c'est le vert, le marron, c'est le 3, et le jaune, c'est le 2. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on repart l'autre côté. On repart de ce côté. Alors, ici, on a le vert, c'est IO 5. Bon. Le blanc, c'est le 3,3, c'est ce que j'avais dit. Ensuite, on a IO 19. IO 19, le jaune, c'est ça. IO 18, le orange, c'est ça, la masse. Le bleu, c'est l'IO 22, c'est ça. Le marron, IO 32, c'est ça. Le rouge,
C'est le VCC. C'est ce VCC qui me chagrine. C'est ce VCC qui me chagrine. Alors, vu que le VCC me chagrine, on va voir. Donc VCC, on a dit 1, 2, 3, celui-là. Donc normalement, il faudra retrouver un 5 volts. Où est-ce que je vais le retrouver, mon VCC? Il retrouve où ce VCC? Je devrais le retrouver sur une des bornes ici. Alors à moins que ce soit pas le VCC. Yes, bonne soirée Quackwack, merci encore pour le raid, ça fait très 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 plaisir. Alors à moins que ce soit le SDD qui est là. Non. Parce qu'à la limite, je me mets sur une des broches de l'USB là, hein, qui lui m'apporte du 5 volts. Je récupère pareil au niveau de la manette, et puis terminé quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je vais aller voir. Je vais aller voir si j'ai pas les schémas. Si j'ai ça. Alors, GND VCC 3,3 MD clock. Pourtant, c'est bien VCC. Hein. Ça, il n'y a pas de raison. Hein. C'est bien ça. Je vois pas autre chose. Correspondrait. Et pourtant, VCC, je retrouve pas le. Eh bien, le troisième qui est ici. Mince, je suis en train d'écraser ma LED là. Alors. Ah, si, c'est bien sur l'intérieur. VCC, c'est là. 1, 2, 3ème. Donc, c'est bien celui-là. Hop. Et du coup. Bah du coup je devrais me retrouver sur une des pattes de l'USB. Alors l'USB il alimente quoi et où? Le RST, TV, machin. Reset. IB. Trop évident. Trouver. Alors. Le VCC doit alimenter une des pattes ici. Ah. Non. Non. Et vous, si tu es... un endroit qui doit arriver sur la ligne en fait. Quelle heure il se fait? 22h30. Bon, je crois qu'on va malheureusement devoir s'arrêter là pour ce soir. Je commence à être fatigué. Demain, bah, y a travail. Alors, ici, du VCC. Bizarre, c'est que le VCC, il n'arrive pas au même endroit que... l'USB qui alimente. Ça, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Il y en a qui s'y connaissent en ESP32 mini. Et ben, je suis preneur. Voilà.
LVCC, non, il est bien soudé, ça c'est pas trop le problème à mon avis. Ah. LVCC, il arrive là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de l'autre côté? Ah, c'est ça. Il doit y avoir une diode là. Là, il doit y avoir une diode à mon avis. volts. Ah, là, à mon avis, il y a une diode. Tu répares des trucs, mais pas à ce niveau. Et ben, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est d'enlever mon VCC et de me le brancher directement ici à la place de l'USB. Tac, tac. Donc j'ai dit que c'était où? Ça doit être celui-là, le 5 volts. Donc je peux venir essayer de le souder là. Et l'autre côté... L'autre côté, c'est le VCC. Donc je vais essayer de me le mettre là. On va essayer ça. Allez. On reprend le petit fer. Hop là. J'enlève ce fil. Parce que là, ça va être un peu galère. Je vais être obligé de faire une rallonge là, parce que ça va pas le faire. Là, j'aurai pas assez de fil. Il me faut un petit bout de fil rouge. Un poil épais, je vais prendre ça. Hop. Là, donc on a dit qu'on devait le souder ici. Avant. Avant de faire ça. Est-ce qu'on ne te mettrait pas un tout petit bout de gain thermo là pour protéger, parce que avec du 5 volts qui se balade. Mince, 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 mince. Je change mes scènes en plus. En touche en tout. Hop là. Voilà, on va se mettre un tout petit bout de gain thermo. Briquet, j'avais rangé. Hop là. Voilà. Et on va venir donc se souder ici. Hop là, allez, on va tester comme ça. On va tester comme ça. Donc P1, c'était là. Et P2, c'était celui-là. Bien. Pif, paf, pouf. On se remet là. Ensuite, on se remet là. On démarre. Et on regarde ce que ça donne. Alors, LED fixe, comme tout à l'heure, merde. Il y a vraiment un souci niveau de tension, j'ai l'impression. Alors, Blue Retro, est-ce que je le vois? Non, hein. Alors à moins que ce soit là-dedans que j'ai merdé dans les fils, mais ça me donnerait. Mais c'est possible, ça mérite que je vérifie quand même. Ça méritera que je vérifie. Ça va quand même mériter que je jette un œil dans le connecteur directement. Ça se trouve, je récupère pas le bon truc. Mais bon, il s'alimente quand même. Il a le voyant rouge pour dire qu'il est à on et... La LED bleue, mais la LED bleue devrait pas rester fixe, c'est ça qui est bizarre. Non. Il ne passe plus rien sur ce module à la con.
Bon. Ça va être la merde, on va essayer de le réouvrir. Bien sûr, c'est pas fait pour être réouvert. Bon, c'est trop facile. Hop là. Donc, on a dit comment que ça se branche, cette affaire. Il faut y prendre comme ça, le bazar. Ok. Comme ça, et je vais prendre mon tableau à moi. Pouf, 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 pouf. Il est où mon tableau là? Donc on a le V-in, la pin 1, c'est ça. Ensuite le GND, c'est la pin 7, c'est ça. Ensuite le vert, pin 2, marron, pin 3, et jaune, pin 4. Bordel, c'est bon aussi là-dedans, hein. Donc non, ça c'est bon. Ce connecteur, il est bon là. Il est bon pour moi, j'ai pas à y revenir. Alors, pourquoi? Putain, quand je le branche en USB, ça marche bien. Ça clignote, ça. C'est en mode appairage direct. Alors, si je mets que P1, il n'y a rien, ça va. Rien de chez rien. Alors là. Là, il va pas le voir, là. Il va rien voir du tout, là. Rien du tout. Bon, bah c'est clairement un problème d'alim, mais quoi, mais où? Non, ça c'est juste deux fils de synchro, donc ça va pas poser de problème. Alors est-ce que c'est le module adaptateur là qui fout la merde? Je sais pas. Pas du tout. Eh ben j'aurai pas la réponse ce soir. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Parce que là, en USB, ça marche nickel. Je vais venir mesurer les tensions quand même. Qu'est-ce que ça m'envoie? Volts. Alors, on va prendre un GND. GND, j'en ai un là. Et on va avoir un là. Je dis pas de bêtises. Je fasse pas n'importe quoi non plus. GND, GND, GND. C'est ça. Ah, oh, attendez, attendez. Est-ce que j'ai pas merdé sur le GND ici? Ah si, si, mais si, c'est ça le souci. Voilà, j'ai trouvé. C'est le GND que j'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai mis sur la patte reset. Donc en fait, il croit qu'il y a un reset tout le temps. Haha, j'ai trouvé. C'est pour ça que quand je le branche en USB, ça marche. Et le con, donc c'était à côté. Voilà, c'est là le GND. Celui-là.
Voilà. Là, ça devrait marcher mieux. Alors, P1, on repart. P1. P2. On allume. Et ça donne. Oui, on est en mode appairage. C'est une victoire pour l'instant. Demi-victoire. Demi-victoire. Maintenant, on va essayer de connecter la manette de PS4 dessus. Elle clignote. Elle clignote. Donc si elle clignote, c'est bon signe. Tant que les deux clignotent, c'est que c'est en mode appairage. Et dès que ça clignote plus, c'est que c'est appairé. Bon, pour l'instant, ça s'appaire pas des masses. Hein. Donc là, elle est en mode appairage. Ils vont se trouver, ils vont se trouver. Allô manette, ici le module Bluetooth, ici la manette, m'entendez-vous? Ouais, ben ils ont pas bien envie de parler entre eux, hein. Donc manette de PS4 pour les connecter en Bluetooth, hein, et pas sur la PS4, il faut maintenir le bouton Share et le bouton PlayStation enfoncé en même temps, et là elle doit commencer à clignoter, donc là ça veut dire qu'elle est bien basculée en mode Bluetooth et qu'elle cherche à s'appairer, donc là elle clignote. Ah, elle s'est arrêtée, elle n'a pas trouvé. Je réessaye. Je la remets en mode appairage. Voilà. Et donc là, elle clignote. Pas si vous le voyez bien. Pas si vous voyez bien. Avec les contrastes qu'il y a, c'est pas évident. Voilà, là on voit. Ah! Non. Elle clignote toujours. Les deux sont en mode appairage. Ils ont pas envie là. Hop. J'ai arrêté et j'ai remis le module Bluetooth en mode appairage. On va voir si ça fait du mieux. Et je commence à connaître les modes avec le petit bouton que j'ai rajouté là, qui n'est pas présent sur le module, mais qui du coup j'ai dû le rajouter parce qu'il est très utile pour faire les synchros Bluetooth justement. Alors, téléphone, je l'ai mis où? Là. Est-ce que je le vois avec le téléphone déjà? Maintenant que c'est sur la manette. Alors, blueretro.io. Là, c'est bien branché sur la console, c'est bien alimenté, donc ça devrait pas poser de problème. Alors après, vu que je l'ai mis sur l'alimentation de l'USB et pas sur le vrai VCC, peut-être que je perds un peu de tension, mais bon, ça devrait quand même se trouver là. Blue Retro SNES, je le retrouve. Alors il n'arrive pas à se connecter, mais ça va se faire. Allez, associe-toi là. Voilà, là, il arrive à se connecter. J'ai la config qui apparaît. Ok, SNES. Ah, il m'a pas gardé la config ici. On va lui mettre PS4. Et ici, on va lui mettre SNES. Ok. Save. On le save ou pas? Ah, il s'est déconnecté. Le con. Allez. Donc là, on a dit PS4 SNES. Save. Ok, c'est enregistré. Donc ça, je peux l'éteindre normalement. Et je vais essayer de connecter cette fichue manette. Alors, est-ce que là, il va se repérer à la manette de PS4 maintenant que je lui dis que c'était la manette de PS4 qu'il attendait? Alors lui, il s'est arrêté de clignoter. Donc c'est peut-être là que trouver quelque chose. Non, c'est bizarre.
Voilà. Alors, on s'est remis en mode appairage. La manette, elle fait mieux maintenant. Alors, je vais essayer avec une autre manette de PS4. De l'autre côté. Est-ce que ça fait quelque chose là? Pourquoi elle se voit pas les manettes? C'est bizarre ça. Bon, alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il manque un peu de pêche du fait que j'ai mis sur la ligne de l'USB. Ce que je vais faire, je vais y renlever d'ici et je vais y remettre sur le vrai VCC. VCC qui est donc... Mais là c'est pareil. Non, c'est ça, c'est ici. Donc le VCC. Et là, j'espère que je vais réussir à y rentrer dedans. Voilà. J'ai remis sur le VCC. On repart. C'est bien en mode appairage. Je remets la manette en mode synchro. Et on va voir. J'ai pas essayé tout à l'heure de synchroniser une manette quand c'était en branché alimenté en USB. Mais bon, là pour le coup ça doit pas changer grand chose. Ça doit vraiment pas changer grand chose. Là, pourquoi elles veulent pas se synchroniser ces manettes? Alors je vais essayer avec celle-là. On va voir s'il y en a une qui se synchronise avant les autres. Hein. On va toutes les mettre en mode appairage. Je sais pas si vous voyez, là, il y a les LED qui clignotent aussi. Ça cherche à s'appairer. Là, ça a arrêté de clignoter, donc c'est ça que ça a dû trouver une manette. Hein. Ça a dû trouver un périphérique. Hein. Si ça s'est arrêté de clignoter, c'est que c'est sorti du mode appairage. Là, je l'ai remis en mode appairage. Pourquoi il m'en trouve aucune? Bizarre ça. Très bizarre. Bon, bah les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On a résolu un premier problème qui était un problème de masse. Là, c'est rentré dans l'ordre, a priori. Mon module est un peu chaud, mais bon, rien d'alarmant, a priori. Alors là, je maintiens appuyé plus de 10 secondes. A priori, ça retire tout périphérique Bluetooth. Ça réinitialise le module. Et on se remet en mode appairage. On va essayer. Ah bah si, j'ai la manette 1 qui s'était appairée, j'ai l'impression. Là, elle s'est déconnectée. Essayer de la reconnecter. 1, 2, 3. C'est au moment où j'ai tout supprimé qu'elle s'est décidée à se reconnecter. Ça fait rien. On peut connecter aussi des Wiimote de Wii en Bluetooth et on peut connecter aussi des Joy-Con. Ça, j'ai vu aussi. Donc, intéressant aussi. Vraiment, avec toutes les consoles récentes, on peut normalement, bien sûr, parce que là, ça me fait mentir. Normalement, on peut appairer plein de choses.
Allez, c'est repassé en mode appairage là. Trouve-la cette manette, bon sang. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. De connecter celle-là, on va tout essayer de les connecter. Plus rien. Alors, mis mon téléphone aussi pour voir si je le vois le module. Au moins le téléphone devrait le voir. Lui au moins il y a un écran, je peux voir ce qui se passe quoi. Peux voir ce qui se passe. J'ai aucune manette qui se connecte là. Ils veulent pas. C'est la première fois que. Pourtant, c'est la troisième fois que je tente. Troisième fois en live et j'ai déjà testé plusieurs fois sur la PlayStation de mon côté en off. Donc ça fait quand même plus de trois fois que je fais ce mode-là. C'est la première fois que j'arrive pas à connecter une seule manette, quoi. C'est très bizarre. Et là, mon. Pareil. On va essayer de le resetter encore une fois. Voilà, là il a dû repartir à zéro. On va voir ce qu'il en dit. On va voir ce qu'il en dit. Est-ce que je le vois? Je le vois, bordel. Si je le vois ici, je devrais réussir à me connecter avec une manette. Si je le vois avec le téléphone, la manette doit le trouver. C'est pas logique ça. Mais là, du coup, vu que j'ai. Normalement, j'ai tout réinitialisé. Quand je maintiens 10 secondes le petit bouton là, le bouton sur le GPIO 0, pour tout vous dire, normalement, ça vide la config, ça remet en config d'origine. Donc, tel que j'ai chargé le module avec le petit logiciel de programmation. Ouais, ça marche pas des masses, hein. Alors après, c'est peut-être ce module qui est difficile, hein. Peut-être qu'avec le gros là, ça passerait. J'en ai recommandé d'autres, hein. Je vais en recevoir d'autres. Des ESP32D, des ESP32S, des ESP. J'en ai commandé plusieurs différents pour voir s'il n'y en a pas un qui marche mieux que les autres. En tout cas, celui-là, c'était un ESP Vroom 32D. Et celui-là, il marchait bien, mais un seul joueur. Par contre, sur PlayStation, ça marche nickel. J'ai réussi à connecter manette de PS4, la manette 8 bits d'eau. J'ai réussi à connecter plein de trucs, mais là, même mon téléphone, j'arrive pas à le connecter. Ça marche quand même pas ouf. Ce module, en tout cas, il me pose que des problèmes de connexion. Ah, ça y est, j'arrive à me connecter là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme config? Ouais, c'est ça, il a tout perdu, quoi. Système, c'est pas auto, moi je veux la SNES. Hello, la SNES. SNES. Save. Power Cycle Blue Retro Adapter for Change to Take Effect. Donc en gros, faut le mettre hors tension pour qu'il prenne en compte. Là, en sortie, c'est de la SNES. Et je vais lui remettre PS4, PS5. Save. Ok. Ça a pris effet. Bon, ok. Device 2. On va faire pareil. Save. Input 1 config save. Ok, save. Là, c'est bon. Normalement, je suis configuré là. Donc, il devrait me prendre une manette de PS4. Bon sang de bonsoir. Allez, on se met en mode synchro.
Moi j'ai ma Super NES qui tourne pendant ce temps. Là, quand ça s'arrête de clignoter, c'est que ça s'est appairé à quelque chose. Pourquoi j'ai rien? Bon, on va faire l'essai. Brancher en USB, est-ce que j'arrive à synchroniser une manette? Déjà, on va commencer par ça. Avant de tout balancer par la fenêtre, on va faire comme ça. La manette est toujours en mode appairage. Est-ce que ce fichu module se fout en mode... Ah, la manette, c'est plus mise en manette, en mode appairage. Est-ce que ce fichu module, il repart en mode appairage? Non. C'est en fixe comme ça. J'aurais pété quelque chose en faisant une soudure ici. Allez, un petit coup de reset, voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Normalement, il doit passer en mode appairage. Mais sauf qu'il repasse plus, bon sang. Bon, ben, je crois que ça passera par, par un changement de module. Hein. Testerai avec d'autres ESP, ma foi. J'aurais juste cette partie à dessouder, à ressouder ailleurs. Ah, ça reclignote. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Tu repasses en mode appairage ou pas, là? Il veut pas. Là, je le réalimente bien en USB. Là, il me fait plus la même chose. C'est quand même incroyable, ça. Est-ce que je le vois? Mon module. Il fait pas le même clignotement, c'est très bizarre. Ah, il est reparti en mode appairage, donc je devrais le voir ici. Je le vois. Bon, ok. Je le vois ici. Est-ce que lui, maintenant, il va se synchroniser? Alors... Ah, j'ai l'impression qu'ils se voient toujours pas hein, l'un l'autre. Allez, allez, allez. On y croit, on y croit. Est-ce que j'essaierai pas de synchroniser la 8-bit d'eau en même temps? On va voir, peut-être une des deux qui va s'appairer. J'ai peu d'espoir. Ça s'est arrêté de clignoter, bon sang. Pourquoi? Quand ça s'arrête de clignoter, c'est que ça a fini d'appairer. Donc normalement, il devrait m'avoir trouvé une manette, là. Il n'y a pas une qui le détecte, hein. Pas une, pas une, pas une. C'est fou ça. Alors. Aucune. Aucune qui veut le trouver. Fermé en mode synchro, mais... Ah non, là ça veut pas se connecter à ce module. Bon.
Eh ben, tant pis pour ce soir. Donc, ben, la suite, quand j'aurai reçu d'autres modules, je changerai celui-là. Clairement, le Dulgaire, il me fait chier. Il veut pas se connecter. Avec le téléphone, j'arrive à me connecter, mais avec les manettes, c'est mort. Je sais pas pourquoi. Je vais retourner voir s'il y a une dernière config là-dessus, mais... Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Reset config. Blue Retro associé. Blue Retro associé. Alors. Reset. Last test firmware. Moi j'ai quoi comme firmware? J'ai bien le dernier. 1.7.3, c'est celui que j'ai mis, donc il n'y a pas de raison. System Manager. Qu'est-ce que j'ai de beau? .1.7.3 SNES. Ok. Je vais lui faire un reset. Hein? Cette config. Ouais, mais vu qu'il a fait un reset, voilà, il fait un reset complet. Et il s'est endormi, pépère. Et qui s'est endormi. Voilà. Là, il s'est... Ok, donc il lui faut un petit temps. Cette config, il veut pas se connecter, il le voit mais il se connecte pas. C'est bizarre cette affaire, c'est bizarre. Ok, là il s'est connecté. Ah, preset, select preset. Et là on doit pouvoir lui mettre du preset de SNES, non? GameCube, défaut gamepad, au pire on va partir là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Mousse, machin. GameCube, GameCube, N64. Là, je pense que c'est pour des périphériques particuliers, donc défaut gamepad. All. Voilà. Save. Ok. Index. Advanced config. Connect. L'adresse blueretro.io, elle est super importante hein, pour configurer les modules. Bon, visiblement, j'arrive pas à faire ce que je veux, mais... Je pense clairement que les modules, vu que c'est tout made in China, il y a toutes les qualités, et je suis peut-être tombé sur une mauvaise qualité sur celui-là, hein, qui a du mal à se connecter. Je vois le téléphone, il le voit... Mais il a quand même du mal à se connecter, vous voyez, là, il le voit plus, alors qu'il est en mode appairage, lui. C'est bizarre. Il y a des trucs un peu étranges, quand même. Des trucs un peu étranges. Allez. Cochonnerie, là. Ah, il le voit plus, ça y est. Ça y est, il le retrouve. Allez, associé, on y va. Hein, il n'a pas retrouvé la config. C'est fastidieux, hein, quand même. L'autre module, là, le Vroom 32D, aucun problème. Donc, j'ai recommandé le même. Hein, c'est un gros format, mais tant pis, si ça marche, c'est pas plus mal. Allez. Putain, bah ouais. C'est long, c'est long, c'est long. Puis alors, j'aime pas attendre. Mais alors, vraiment, j'aime pas ça. Attendre, c'est pas mon truc. Allez, trouve. Trouve en Bluetooth. Vas-y. Il reste de la batterie au moins. Oui, allez, SNES, vas-y, associe-toi. Et il a pas trouvé la config. Unknown reason. Non, pas vite, il me dirait la raison. Je veux bien, mais là, j'ai pas. Bon, allez, les amis, j'en ai marre.
J'en ai marre, j'arrive pas à me connecter à ce module comme je veux. On va arrêter le carnage ici. Ce qu'on fera, c'est qu'on changera le module, je ressoudrai tout sur un autre module, et puis on testera du coup avec un module différent. Voilà. Après les ESP32, sensiblement c'est tous la même chose. Mais il y a des ESP32D, 32S, 32E. 32, plein de trucs, donc j'en ai commandé 2-3, mais clairement, je sais pas lequel fonctionnera le mieux, donc on fera le 32S, j'ai jamais essayé, donc on essaiera avec un 32S, et puis on verra ce que ça donne. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour ce soir. Chez qui je vais vous envoyer? Est-ce que vous aimez Pokémon? Est-ce que vous aimez... Pokémon, je peux vous envoyer chez le bon Camilou qui fait du Pokémon écarlate violet. Allez, on va faire un petit raid. Camilou. Voilà, allez, je vous envoie chez lui. Et moi, eh ben, je tire ma révérence. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Merci pour les follow, merci pour le raid de Quackquack. Et puis, normalement, on se retrouve jeudi soir à 20h30 sur la chaîne, en espérant que j'ai reçu les modules d'ici là. Sinon, on fera autre chose, de la Game Gear, de la PS1. On verra ce qu'on fait. Allez, passez le bonjour à Camilou de ma part. Bonne soirée à tous. Ciao !